La lune de miel, si de nos jours elle a surtout pris le sens de voyage de noces durant laquelle les jeunes époux passent leurs premiers jours ensemble, à l'origine, cette période était censée durer un mois complet du calendrier lunaire, donc le temps de toute une lune, les 29 jours qui suivaient le mariage. Cette coutume remonterait à la Mésopotamie et à l'ancienne Babylone, d'autres la localisent en Égypte, au temps des pharaons. Cette tradition, en tout cas, voulait que durant ce mois de fête, la famille de la mariée devait fournir à son nouveau gendre autant de boissons à base de miel qu'il le souhaitait, symbole de santé et de longue vie. Certains parlent de l'hydromel, un mélange d'eau et de miel, d'autres évoquent plutôt une bière fabriquée à base de miel. Dans un cas comme dans l'autre, le miel est ici évidemment synonyme de douceur et de délicatesse, tout un mois durant.